Bonjour, bienvenue à l'édition 2016 de l'aventure des grands navigateurs à l'école L'Envol. Alors, on va se promener ensemble un peu pour découvrir c'est quoi cette activité-là. Aujourd'hui, vous allez voir 140 élèves du primaire et du secondaire des écoles de Saint-Rédempteur et de Saint-Nicolas. On est présentement au port de Québec où se fait une transaction. Les élèves sont déguisés en grands navigateurs dès l'époque de la Renaissance. Ça leur permet de développer des compétences en mathématiques, en français, en arts plastiques et en gestion de solutions. On va se promener un peu ensemble. Vous autres, vous êtes de quel pays? France. La France. Et combien vous avez réussi à ramasser de pièces d'or, Alain? Beaucoup. Beaucoup? Plusieurs diamants? Trois. Trois diamants. Alors, on va aller se promener pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre école. Vous voyez les autres villes? 10 pièces. La ville de Rio de Janeiro vient de faire une mission d'urgence. Vous voyez de voir passer une équipe de la France, une équipe de l'Angleterre. On va aller se promener à l'île des Pirates. L'île des Pirates permet aux élèves qui ne trouvent pas leur bonne mission d'aller peut-être faire des marchandages douteux avec d'autres, avec les mafiosos de l'île. On va se mettre à se diriger vers les royaumes. Ben, on en a, mais pas genre à toutes les... Salut Nicolas! Dis-nous, toi, vous êtes de quel pays? On est Portugal. Portugal. Qu'est-ce que vous avez fait de date comme fait d'armes? Ben, on a monté de grade, puis là, on est rendu à Marquis. Oh, vous êtes des Marquis. Ouais. Vous avez au-dessus de 300 pièces d'or. Une mission que vous avez aimée à date, ça serait laquelle? Hey, on va contourner la caméra. Reste avec moi, Edison. OK. Oui. Une mission le fun que vous avez faite, ça c'est quoi? Non, on les aime toutes. Ah oui, bon. Hey, je vous laisse aller. Hey, bonjour. Oui, Alison. Toi, t'es vraiment en bonne des fois pour dire. Pourquoi t'aimes ça le jeu-là? Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu? Les aéroports, les filles. Ah oui, pourquoi non? Ils sont froids, le monde t'a dit, oui, ils sont enthousiastes. Qu'est-ce que t'aimes de comment ils fonctionnent à l'air, comment ils jouent le jeu? Participe bien. Vous autres, est-ce que vous trouvez qu'Alison, c'est une bonne guide secondaire? Oui. Une chose que vous aimez beaucoup d'Alison, c'est quoi? Son encouragement. Ah, vous encouragez beaucoup? Hey, vous êtes rendu quel grade, vous autres? On est rendu marqués. On va aller donner notre carte et on va être dit. Des duchesses. Des duchesses? Vous mangez juste le bonhomme de Noël. Oui. Hey, ben, bonne mission. Ben, merci. Okay? Ben, merci. Vous allez aller dans quel royaume, en France? Oui. OK, on va les suivre en France. Le marin en premier. OK. Oh, il y a beaucoup de houle, vous voyez, il y a beaucoup de trafic. Allez plus vite, allez plus vite. Bon, c'est comme si on est dans la Manche. Ce que vous voyez devant, ou que vous avez discuté à voir, c'est qu'il y a un élève qui est un perturbateur. Ça veut dire qu'il y a une tempête, une épidémie, il se passe quelque chose. Oh. On connaît. Héloïse, tu nous dis un petit peu comment tu aimais ça. Tu t'es déguisé en quoi, toi? Tout le monde se marrait. C'était quoi leur réaction? C'était particulièrement le fun cette année, je pense. Ça se peut-tu? Ben, la première fois, je suis allée les attaquer. Ils ont tous fait genre station, ils vont se marrer. Puis c'est ça, là. Est-ce que leur réaction, c'est le fun? Comment ils réagissent? Ben, il y a comme peur du monde se marrer un peu. Il y a du monde qui trouve ça bizarre. Mais ouais, sinon, c'est vraiment le fun. Tu as eu un bon effet cette année, je pense. OK, on s'en va en Angleterre pour aller voir Madame Douma. Bonjour, M. Zachary. Vous êtes de l'Angleterre, vous autres? Que de quel grade vous êtes rendu maintenant? Compte. OK. La meilleure affaire que vous avez trouvée à date, l'émission que vous étiez content de réussir, ce serait laquelle? La vente de sel, c'était payant? OK, génial. Hey, je vous laisse aller. On s'en va en Angleterre. Salut les Français. Bonjour, Martin. Salut. OK. Alors, on est dans le royaume de l'Angleterre. Est-ce qu'il n'y a pas personne qui est prêt pour un adoubement? Samuel, toi, tu as déjà eu ton adoubement, ta mission? Moi, je suis pas avec. Ah! En plus, c'est même pas en anglais. On passe ça plus tard. On va aller voir le roi de France. Des élèves de deuxième année de l'école Claire Soleil ont réalisé un projet dans le cadre d'un concours qui s'appelle Le fleuve et moi. Vous allez peut-être voir sur les images qu'il y a différents dessins de deuxième année.
Alors, c'est un projet interdisciplinaire, donc même les élèves du primaire de deuxième année participent à notre projet par leur dessin. Je vous préviens, le roi de la France est un peu spécial. Bonjour, mesdames. Je vous demande de sourire à la caméra, car présentement, tout le royaume de France est observé par la planète Internet. Un jour, dans le futur, j'entendrai parler de Internet. Bien, bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Merci. Les populations de mon royaume, vous devez d'abord avant tout dire vive la France, madame. Allez-y, les filles! Allez, vive la France! Êtes-vous prête pour votre mission? Oui. Vous devez vous placer à genoux. Je vais les préparer. Cette mission vous apportera le titre de Duchesse. D'accord. Vous êtes prêts? Monsieur. Navigateur, nous avons l'intention d'établir un traité commercial avec la ville de Hambourg. Vive la France! Vive la France! Merci. Prenez ce document avec vous, donnez le carton traité commercial, demandez au responsable d'Hambourg de signer ce carton et rapportez-nous-le. D'accord? Je vous souhaite une excellente continuation, une bonne navigation et faites attention aux monstres marins car ils sont très dangereux. On avait plus de l'argent qui est. Ah non, c'est vrai, on a. À votre prochaine mission, vous n'avez pas fini. Marseille. Vous êtes d'une rapidité exemplaire. Je suis extrêmement impressionné. Mission de Marseille. Vive la France! Vive la France! Et vous n'avez pas nommé chevalier? Vous avez nommé chevalier? Non? Chevalier? Plus d'eau. Ouais. Je vous nomme chevalier. À genoux. Au nom du roi de France, je vous fais chevalier du royaume de France. Et ceci pour ne pas l'oublier. Au nom du royaume de France, je te fais chevalier. Et ceci pour ne pas l'oublier. Bravo. Alors, comme je vous disais, le roi de France est un peu spécial. On va le voir en Angleterre. On sait que les gens d'Angleterre sont plus posés. On va aller les voir. Il y a des élèves qui vivent un grand moment. Ils vont devenir princes et princesses. On va aller assister à ce moment-là. C'est quasiment comme un mariage royal. C'est à Hambourg qu'il faut aller. So you just accomplished your 12th and final mission, is that true? Yes? As you know, the Kingdom of England is a wonderful place and they've given me the power to change your title from Duchess to Princess. You're only the second team to achieve this success. So it is my extreme privilege and honor to name you as Princess of the Kingdom of England. So, congratulations to you. And congratulations to you also. So this is the last time we see each other, where there are no more missions to do. Congratulations. It was a pleasure. Hope you had fun. Yes. Thank you for serving the Kingdom of England. Good afternoon. J'espère que vous avez aimé ce petit tour de royaume avec nous, puis au plaisir peut-être d'avoir la chance de vous avoir pour la prochaine édition.